Bonsoir à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, ou en tout cas un nouvel événement qui veut gagner Emilio en binôme avec thème de prédilection. Bien entendu, il y a six binômes ce soir. Six binômes qui seront répartis en six épisodes, ne vous inquiétez pas, il n'aura pas tout l'événement bien entendu, puisque sinon ça ferait trop de binômes à passer ce soir même, à moins que les binômes galère sur les questions, mais je ne pense pas. Je pense que nos binômes de ce soir seront exceptionnels envers les questions. Bien sûr, ceci est toujours en compagnie de notre cher rédacteur et producteur Alexis. Bonsoir, Rico. Oui, bien entendu, participera avec Lucas. Lucas, n'hésite pas à dire bonjour. Bonjour. Bien entendu, ce n'est pas lui qui a fait le questionnaire, mais d'autres personnes. Et je pense qu'ils ont été assez intuitifs sur les questions. Pas du tout. Non, non. On n'a pas été vilain. J'imagine J'espère bien. que j'ai bien révisé. Bien. Eh bien, je pense que nous pouvons commencer la petite présentation de nos candidats, bien entendu, puisque ce soir on est là pour accueillir. Donc, comme je l'ai dit, il y a donc Alexis et Lucas. Mais en plus de ça, il y a Lucie de l'Île-de-France, Thomas de l'Ain, Julien des Deux-Sèvres, Samuel d'Eure-et-Loir, Dadou de Mayenne, Romain de Loiret, Cassou de Loire-Atlantique, Plémor d'Île-de-France, Pathier de l'Essonne et Noël Flantier du Finistère. Alors, je tiens à rappeler que Pathier avait été solo dans le dernier événement, mais cette fois-ci, il a bel et bien un binôme pour jouer avec lui. Et j'espère que il ira déjà plus loin que les 1000 euros qu'il a fait la semaine dernière, mais je pense que oui, bien entendu, c'est juste que étant tout seul, c'est plus compliqué. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir commencer avec cette première question de rapidité, bien entendu. Donc, je le répète quand même, sur cette question de rapidité, vous aurez 4 réponses proposées. Il va falloir me donner les réponses dans l'ordre. Vous aurez jusqu'à la fin de la musique pour me proposer vos réponses. Dépasser cette musique, la réponse ne sera plus acceptée. Et bien sûr, il faut m'envoyer ça en MP. Avez-vous des questions, mes chers candidats? Non. Tout est Ah clair. Non, oui. non, c'est On est bon. prêt. Très bien. Eh bien, Moi, nous j'ai une pouvons question. commencer. Oui, Patier? Je vais dire que Noël Fantier va répondre aux questions de rapidité. Oui, mais vous participez tous les deux. Ok, on va répondre nous deux. Toi aussi, Pathier, tu vas répondre. Okay. Vivement Bon, que ça soit une question facile pour moi. ne perdons pas de temps. Voici la question de rapidité. Classez ces albums de Britney Spears du plus récent au plus vieux. Réponse A, In the Zone. Réponse B, Benny, One More Time. Réponse C, Britney. Réponse D, Oops, I Did It Again. Bien. Alors, voici la question. Classer cet album de Britney Spears du plus récent au plus vieux. Nous avons d'abord In the Zone, puis Britney, pour ensuite continuer avec Oops, I Did It Again, et pour finir avec Baby One More Time. Qui a eu la bonne réponse? Et c'est Noël Flantier que nous accueillons. Bienvenue Noël Flantier avec votre binôme du coup Bon, Pathier. pas. Bonsoir. Ouf. Alors, est-ce que vous y attendiez? Alors là, j'ai confondu avec du plus vieux jusqu'au plus récent.
Et merci à Noël Flantier qui nous a sauvés de ce pépin. Ouais, c'est pareil, moi aussi au départ je voulais mettre du plus vieux au plus récent et puis finalement j'ai vu que c'était là. Je tiens quand même à dire, vous êtes le seul à bien avoir répondu à cette question. Bah après il y a peut-être, je sais pas s'il y a d'autres fans de Britney ici ou pas, bon, pas trop fans. Je bon. voilà, après, exactement. C'est vrai que bon... Moi-même, je pense pas que j'aurais réussi à répondre parce que bon, les albums, ils sont connus, mais pour savoir dans quel ordre ils y sont. Oui, savoir dans quel ordre, ouais, c'est sûr, c'est pas facile. Après, il peut y avoir hésitation entre la A et la C, notamment, parce que je crois qu'ils ont été réalisés plus ou moins même coup. Oui. Bon, eh bien, Noël Plantier, vous de vous présenter en premier, puisque vous avez répondu bon à la question de rapidité. Ok, ben bonsoir à tous, donc Noël Flantier du Finistère, et mon thème de prédilection pour ce soir sera la Formule 1. Alors, non, je dis les thèmes de prédilection après. Du coup, on dit avant. Et je vois que du coup, est-ce que vous êtes confiant pour ce soir? Oui, très confiant. Je pense qu'avec Patier, on va tout défoncer. Et puis, Patier a dit qu'il sera millionnaire. Ce serait une bonne chose, justement, de pouvoir exaucer ce vœu. Et c'est votre première fois, du coup, sur serveur? Oui, du coup, pour moi, c'est la première fois sur ce serveur. Donc, merci également pour la question. Pour les téléspectateurs, ne vous inquiétez pas. Le lien du serveur sera dans la description. Ne vous inquiétez pas. Et vous, Patier, à vous de vous présenter, bien entendu. Bonsoir Patier, je viens de l'Essonne. Vous me connaissez très bien sur ce serveur. Ah ça et, oui, on vous connaît bien, c'est sûr. Et j'ai toute ma confiance sur Noël Flantier pour cette partie de qui veut gagner des millions. Bien. Ah, c'est con, moi je misais tout sur toi, Patier. Bon. Eh bien, je pense que nous pouvons commencer par la présentation des règles, bien entendu. Oui. Alors, vous avez une pyramide des gains avec 15 questions, bien entendu, qui va de 100 à 1000 euros pour le premier palier, puis de 2000 à 24 000 euros pour le second palier, et bien entendu, le million qui vous attend. Mais il y a quand même 4 jokers pour vous aider. Le film du présentateur, le 50-50, l'appel à un ami et le double dip. Avec la règle que le double dip ne peut pas être utilisé avec le 50-50. Avez-vous des questions? Non, ça va. Très bien. Eh bien, nous pouvons commencer ce qui veut gagner millions. Eh bien, nous commençons tranquillement avec cette question à 100 euros. Quel est le développeur de Fortnite? Blizzard Entertainment, Capcom, Epic Games, Patier. Je vais dire réponse C, Epic Games. C'est ma réponse à moi. En effet, c'est la bonne réponse. Comme si vous étiez un développeur de jeux vidéo, bien entendu. Oh là là, c'est trop dur pour moi. Pour 200 euros. Dans quel pays est présent l'indice boursier CAC 40? Pékin, Moscou, Tokyo, Paris. Bon, réponse D, Paris. Bah oui, hein. Merci, Paris, c'est de Paris, c'est la bonne réponse. Exactement. On salue Jean-Pierre Pernaut. Bah, il est plus. Ah non. Ah merde, il est plus en plus. Bon, on saluait Jean-Pierre Pernaut. Voici la troisième question pour 300 euros. Quelle jeune chanteuse aura son propre avatar dans ce jeu vidéo? Angelina Nava, Valentina Tronel, Carla Lazari, Gloria Palermo des Blais. Mais what? Et quel jeu vidéo? Quel jeu vidéo? J'attends la réponse dans l'oreillette. Quel jeu vidéo? Oh. Y'a aucune news qui est formelle à ça? Fortnite. Ah bah oui! J'ai oublié de dire. Ton thème de prédilection, Patier, c'est Fortnite, et donc toi, Noël Flantier, c'est l'économie. Ah, Du coup, quelle jeune chanteuse aura son propre avatar dans Fortnite? Alors là... Alors là, il n'y a aucune information sur ça. Hein.
À mon avis, ça doit être tout récent, mais du coup, t'as quand même... vous avez quand même 4 jokers. Vous avez mon feeling, vous avez le 50-50, le double dip, ou bien entendu, l'appel à un ami. On va pas devoir déjà utiliser un joker, quand même. Bah, dans les informations, je suis quand même souvent les informations du jeu. Il y a aucun de ces noms ne dit rien. Je peux me fier par le plus récent, c'est Ariana Grande, le plus récent. Pour moi, le plus récent, c'est Ariana Grande. Et entendre ça, je n'ai jamais eu aucune information au niveau de ça. Bon, ben on va devoir prendre un joker, je pense. Hein. Ouais. Putain, c'est... Quand, dès la troisième question. Bon, bref. Alors, quel joker voulez-vous prendre pour cette question? Il y a quoi comme joker? Mon feeling, le 50-50, le double dip ou bien le l'appel à un ami. Si on n'a pas d'amis, ça se passe comment? T'as d'autres jokers. Mais le problème, l'appel à un ami, ça, je me rappelle, c'est comme des souvenirs. C'est comme des souvenirs avec une certaine personne dans le public. Le problème, c'est que ça va pas nous servir à quelque chose. Il faudrait déjà un truc qui va nous servir. Ouais, bon, on va prendre l'appel à un public. L'appel à un ami. Non, c'est le vote du public. Il y a pas le vote du public, c'est mon feeling. Ah. Bon, écoute, on prend son feeling. Qu'est-ce que t'en dis, Patier? Ouais, allez. Camping, c'est votre dernier mot? Croisons les doigts. Ouais, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, voici ce que je pense. Eh ben, écoutez, en effet, si. Si, il y a bel et bien une chanteuse qui aura son avatar, qui est là, Carla Lazari, ça a été dit sur son Twitter, il y a très récemment. Ah bah, je savais pas. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur cette question, mais voilà. La chanteuse qui aura son propre avatar, c'est Carla Lazari, elle l'a dit sur son Twitter. Il y a très récemment, mais elle l'a dit. Et ceci est mon dernier mot. Je ne suis pas abonné au compte Twitter de Carla Lazari, désolé. Moi aussi. Du coup, vous me suivez ou non? Plus simple, c'est pas de le suivre, hein, franchement. Attends, on est qu'à la troisième question, on dépense déjà un joker. Il a quand même dit que Carla Lazari a annoncé sur son Twitter comme elle a dit oui. J'aurai un skin dans Fortnite. Ouais, bon, ben dans ce cas, on se peut dire Carla Lazari, et est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est notre dernier mot? Ouais. Ok, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Carla Lazari. Et en effet, c'est la bonne réponse. Merci Rico. De rien. Pour 500 euros. Comment s'appelle le ministre de l'économie et des finances de la République française? Jean Castex. Bruno Le Maire. Gérald Darmanin. Éric Dupond-Moretti. Alors. Darmanin pour la C. Vas-y, Patier, si tu veux. Alors, Jean Castex, c'est le premier ministre actuel qui nous fout dans la merde. Gérard Darmanin, c'est le pédophile, hop, au revoir. Éric Dupond-Moretti, c'est le ministre de la Justice. Ministre de l'Intérieur, mais vas-y. Oui, vas-y, je te laisse continuer. Du coup, vous diriez Bruno Le Maire? Je crois que Bruno Le Maire, c'est, si je ne dis pas de bêtises, sur 10%, le ministre de l'Éducation nationale. Non, c'est Bruno Le Maire, c'est le ministre de l'économie et des finances. Réponse B, notre dernier mot. Et en effet, c'est la bonne réponse. T'as vu, j'ai dit quand même le pourcentage. Hein. Tout à fait. Bon, du coup, 1000 euros, à nouveau une question Fortnite. Je te fais confiance, Patty. Compléter la suite du jeu Fortnite. Battle Royale, Battle Mania, Battlefield, Battle Kart. vous me prenez pour des cons, c'est la A, Battle Royale. Et c'est la bonne réponse.
En même temps, je comprends le rédacteur. Bon, nous sommes arrivés aux 1000 euros quand même, vous avez 1000 euros sur, malgré le feeling du présentateur déjà utilisé, malheureusement. Ouais. C'est vrai que la question a été un peu... De toute manière, on était un peu obligé d'en utiliser un. Quoi. Ouais, parce que l'appel à un ami, t'aurais appelé qui là-dedans? Quelqu'un qui doit s'y connaître vraiment en Fortnite. Bon, eh bien, je pense que nous pouvons commencer cette question à 2000 euros. La voici. En quelle année a lieu la crise économique appelée dans le monde anglophone Grande Récession? Est-ce réponse A en 2006? Réponse 7. Réponse B 2007. Réponse C 2008. B réponse D 2009. Ouais. En fait, ça dépend. Enfin. Ça dépend en fait à quelle date on prend le début de la grande récession, quoi. Si c'est la faillite de Lehman Brothers, alors ce serait 2008, ce serait réponse C. Mais est-ce qu'on parle ou pas de titrisation ou pas? Je pense qu'ils ont été au plus simple et je vais aller au plus simple. Je vais dire 2008 avec la faillite de Lehman Brothers en septembre. Donc. Et tu connais l'année, tu connais l'année du crack de Wall Street? Ben, crack de Wall Street, si tu veux, forcément, dès que Lehman Brothers a fait faillite, il y a eu crack à Wall Street, mais en vrai, des cracks de Wall Street, on a un petit peu tous les ans, quoi. C'est ça, ça nous arrange pas. Mais je pense que si vraiment on a été au plus simple, et on a juste considéré Lehman Brothers, la faillite, comme le début de la grande récession, alors c'est en 2008, et ce serait réponse C. C'est votre dernier mot? S'il y a titrisation, s'il y a subprime, s'il y a AIG et tout ça, mais je pense qu'ils vont pas aller chercher aussi loin. Donc je vais dire réponse C, dernier mot. 2008. En quelle année a eu lieu la crise économique appelée dans le monde anglophone Grande Récession? Il s'avère que c'est dans laquelle sont entrés la plupart des pays industrialisés du monde, mis à part le Brésil, la Chine et l'Inde. Suite à la suite du crash de l'automne 2008. Ouais, c'était au plus simple pour cette question. Ouais, je me suis dit, je n'allais pas commencer à chercher les prémices et tout. Vu l'argent donné, ouais, c'est compréhensif. Mmh. C'est ça. Eh bien, nous voici à la question à 4000 euros. La voici. Combien il y a de comptes enregistrés d'après Epic Games lors de l'année 2020? Est-ce réponse A, 300 millions? Réponse B, 325 millions? Réponse C, 350 millions? B, réponse D, 400 millions? Alors, récap de l'année 2020. Epic Games ils ont fini avec le chapitre 1 du jeu. Ils sont en plein chapitre 2 dès octobre 2019. Dès janvier, ils avaient prolongé le jeu jusqu'à février pour annoncer le chapitre 2, saison 2. Ça a été... après, il y a eu cette histoire de confinement avec le Covid-19. Et il faut voir avec... ça avait créé vraiment beaucoup plus de personnes. Là, tout à l'heure, on était... on parlait de nombre, et là, on reparle encore de nombre. Je répète quand même une question. Combien il y a de comptes enregistrés d'après Epic Games lors de l'année 2020? 300 millions, 325 millions, 350 millions ou bien 400 millions. Est-ce que déjà vous avez une idée tous les deux? Pour être très franc, moi j'en ai aucune. Désolé Patier. Et vous Patier, vous en avez? Pour moi, ma proposition entre parenthèses, je la mets vraiment entre parenthèses, ça serait vraiment... Vraiment, pour moi, 325 millions. Je crois qu'il y a un truc qu'ils avaient
eu 325 millions lors de l'année 2021. Mais avec cette année, mais alors. Alors là, compte d'enregistré, pour moi, j'aurais dit 325 millions. Mais si vraiment. Si t'as un doute, tu peux prendre un joker, mais après, ouais, je vais quand même vous rappeler quelque chose, c'est que il vous reste le 50-50, l'appel à un ennemi et le double dip. Pour moi, le double dip, vraiment, il faut le garder vraiment de côté pour une vraie question bien costaud. Je te suis. Bah, c'est surtout que le double dip, c'est un joker à double tranchant, parce que vous pouvez pas l'annuler. Mais ouais. En même temps, il faut être sûr des deux réponses, tu vois. C'est comme l'anneau des seigneurs des anneaux, hein. C'est vraiment le seul truc qui est très très précieux. L'appel à un ami, je l'aurais pas vraiment vu. J'aurais pas vraiment vu d'une utilité aussi fiable. Bah, partant pour un 50-50. 50-50, c'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot. Ok, pour moi, je te suis. Pas bien. Ordinateur, veuillez retirer deux mauvaises réponses. Il raisonne 325 millions et 350 millions. Est-ce que vous êtes toujours sur votre choix des 325 millions parce que la réponse est toujours là? Ou est-ce que vous pensez que 350 millions serait une bonne réponse? Parce que on va pas se mentir, les deux chiffres se rapprochent énormément. Ouais. Mais après, est-ce que c'est plus proche de 325 millions ou plus proche de 350 millions? Sachant que j'aimerais demander à la régie, mais est-ce que c'est un chiffre exact ou est-ce que c'est un environ? Ouais, ou un truc arrondi. Et puis surtout, est-ce que quand on dit 2020, c'est 1er janvier 2020 ou alors 31 décembre? Lors de l'année. Lors de l'année. Lors de l'année. Ok. Si c'était vraiment milieu ou début d'année 2020, je l'aurais su vraiment quelque chose. Mais au terme de vente, il est vraiment tout en bas. Il est tout en bas en première position, si je fais pas de bêtises. C'est GTA avec ses beaucoup de millions de... Moi j'aurais vu que la B, hein. Bah écoute, moi je vais te soutenir, moi j'en ai aucune idée, donc on part sur la B, Pathier. Oh, ouais. Allez, de toute manière, faut avancer, donc... Ouais. Je te laisse dire, c'est le dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre Rico. 325 millions ? Oui. Alors. Donc. La régie m'a dit, c'est un chiffre estimé, mais... En tout cas, ça a l'air d'être un chiffre quand même exact. Ce coup-là, je pense pas qu'il y ait d'erreur. Alors, il faut savoir que en année 2020, Epic Games a estimé un certain nombre de millions de comptes. Mmh. Il faut savoir que certains joueurs en créent plusieurs, mais qu'ils ont quand même estimé ce chiffre-là. Et je crois les doubles comptes. Chez Epic Games, c'est plutôt vraiment interdit. Vous avez utilisé le 50-50, du coup. Sachant que là, vous êtes à 2000 euros. Bon, si jamais vous perdez, vous retombez à 1000 euros, c'est pas très grave, mais c'est dommage de nous quitter quand même. Bah. Si jamais c'est la bonne réponse, vous doublez vos gains. Ce serait mieux quand même de doubler, quoi. En 2020, Epic Games a enregistré plus de 300
50 millions de comptes. Non. Oh la vache, ça fait très très là, mal. Là j'ai vu parce qu'il y a eu, le truc BTS, il y a eu tous les fans. Ouf. Il y a eu tous les fans aussi qui étaient venus aussi. Merde, pourquoi j'avais pas l'idée de BTS. Malheureusement, c'était 350 millions. Je suis désolé. Après, même avec l'appel à un ami qui était notre autre joker, est-ce qu'on aurait su ou pas? Bon, je pense que je pense qu'il faut avoir vraiment une personne qui était derrière. Un gros fan, tu vois. Ah ouais, 1000 euros, je pensais quand même être un peu plus, quoi. Là, bon. C'est ouf. Écoutez, ça fait quand même 1000 euros, c'est pas dégueu. Au moins, vous avez pas perdu aux 5 premières. Vous avez quand même utilisé un joker au début, mais au moins, vous avez utilisé un joker, ouais. Tu vois. Bon, après, j'avoue que ma culture Fortnite était très, très réduite. Donc, je pouvais pas trop t'aider, Paty. Hein. Ok. Bon. Bah, en tout cas, merci d'avoir participé, les gars. Ça fait un plaisir. Et puis, j'espère que vous reviendrez une prochaine fois. Ouais, merci. Allez, merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Eh bien, notre duo de candidats ne sera pas allé loin, mais quand même, ce fut un plaisir d'avoir joué avec eux. Ils repartent quand même avec 1000 euros, qui n'est pas ignoble non plus, mais je pense qu'ils reviendront très bientôt pour tenter de gagner de nouveau l'or. Pour tenter de gagner le million. Alors, désolé, je modifie quelques noms et ensuite. Hop là. Eh bien, nous pouvons commencer cette nouvelle question de rapidité. Alors, classez ces jeux du plus au moins récent. Réponse A, Pac-Man. Réponse B, Super Mario Bros. Réponse C, Space Invader. Réponse D, Donkey Kong. Vous voyez, A, B, C ou D en MP. Bien, nous avons notre classement. Classer ces jeux du plus au moins récent. Nous avions d'abord Super Mario Bros, puis Donkey Kong, puis Pac-Man, puis Space Invader. Qui a eu la bonne réponse? Kasu et Playmore, et c'est donc le binôme qui a bien répondu. Bonsoir Kasu, bonsoir Playmore, comment allez-vous ce soir? Bonsoir. Bonsoir. Eh ben écoutez, vous avez tous les deux bien répondu à la question, vous êtes les seuls à avoir bien répondu, bravo à vous. Oui. Ce qui m'a beaucoup étonné. Eh bien... Pourquoi? Non, pardon, pas ce que je voulais dire. Mais quand même. Non, c'est par rapport aux 10 candidats qui ont répondu, vous êtes un binôme. Vraiment, vous êtes le binôme à avoir bien répondu et le seul. Ah. C'est ça que je voulais dire. Je ne voulais pas vous insulter, bien entendu. Au contraire, je sais que vous avez une bonne culture, j'ai quand même. Tout va bien, tout va bien. Eh bien, écoutez, Kasu, je vous laisse vous présenter. Vous avez été la première à bien répondre. Eh bien, moi, c'est Kasu. Je viens de la Loire-Atlantique. Je suis tyran de ce Discord, et je suis venue jouer avec mon copain.
Très bien. Coucou, moi c'est Pémor. Ouais. Je viens d'Île-de-France. Et puis là, en ce moment, je suis chez Kassou. Des bisous. Alors, en termes de prédiction, vous, Kassou, vous avez pris Disney. Donc, thème qui avait été pris la semaine dernière, mais que nous avons exceptionnellement autorisé, mais que du coup, plus on n'autorisera plus Disney avant un bon moment. Et vous, Playmore, vous avez pris Dragon Ball Z. Alors, faut savoir que je suis un grand fan de Dragon Ball Z. Je ne sais pas comment le rédacteur a rédigé ces questions, mais dites-vous que je vais être très intransigeant ce soir. Il y a aucun souci. Mais je pense que si vous avez pris Dragon Ball Z, c'est que... Je connais un petit peu. Ouais, voilà. Sachant que je vais quand même dire aux téléspectateurs, Dragon Ball Z n'est pas Dragon Ball. Attention. Merci. Ah, on a eu cette discussion tout à l'heure. J'ai dit, mais moi, Dragon Ball Z et Dragon Ball, c'est la même chose. Hein. Il dit, ah non, c'est pas la même chose. Dragon Ball, c'est les débuts, c'est du Goku enfant, et Dragon Ball Z, c'est à partir de là qu'on découvre les Saiyans. Merci. Moi étant mon animé préféré, bon, on va pas me la faire, moi. Eh bien, écoutez, on va pouvoir faire la présentation des règles, là. Alors, vous avez une pyramide des gains de 1 à 15 questions. Avec 100, 200, 300, 500 000 euros pour le premier palier. Puis au second palier, 24 000 euros. Et pour terminer, le petit million à la 15e question. Et pour vous aider, vous avez 4 jokers. Le feeling du présentateur, le 50-50, l'appel à un ami et le double dip. Avez-vous des questions? Pas du tout. Non. Très bien. Eh bien, nous pouvons commencer ceux qui veulent gagner millions. On va commencer tout gentiment avec la question à 100 euros. Dans quelle émission Ariane interprète le titre Dragon Ball? Le Club Dorothée. Le Club des Invincibles. Divorce Club. Le Club des 5. Et c'est le Club Dorothée. Le Club Dorothée, c'est la bonne réponse. 100 euros. Voici la deuxième question pour 200 euros. Quel prénom porte le chat de la princesse Cendrillon? Figaro, Lucifer, Cheshire, je sais pas comment tu dis ça, Oliver. Et c'est Lucifer. Lucifer, et c'est la bonne réponse. Pour 300 euros. Quel personnage est également appelé Sangohan? Bou, Sangoku, Vegeta, Sangohan. Ah mais... Alors, je sais pas ce qu'il a fait le rédacteur, mais il aurait... C'est pas comme ça que j'aurais mis des réponses personnellement. Je crois que du coup, j'avais perdu les morts, là. Du coup, je comprends pas la question. Bah, en fait, c'est comment est appelé Sangohan, quoi. Bah, Sangohan, c'est Sangoku, c'est Sangohan. Oui, mais ouais. Ça les deux ouais. Je pense que derrière Sangohan, il a voulu mettre son grand-père. D'accord. Ou alors son fils, peu importe. Pour 500 euros. Quel écrivain a écrit... Ouais, ça a du sens. Le livre de la jungle en 1894. Gustave Flaubert. Rudyard Kipling. Stendhal. Alphonse Daudet. Et je vais répondre la réponse B. Rudyard Kipling. Voilà. La B. C'est la bonne. Comment dire ça? Faut pas être bourré. Hein. Pour 1000 euros, premier palier. Sur quelle plateforme est disponible le jeu vidéo Dragon Ball Z? Dragon Balloon Z. Quelle carotte, je crois qu'il a fait une erreur. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. De base, moi j'aurais dit sur Steam. Donc c'est un récent. Voilà. 4 je pense. Quelle plateforme est disponible pour le jeu vidéo Dragon Ball Z Kakarot? Comme ça je dirais la 4. 4 vidéo quoi. PlayStation 4? Franchement je suis pas sûr. Je dirais la 4 hein. PlayStation 4 c'est votre dernier mot? Bah oui du coup oui. Elle est disponible sur Xbox One, Nintendo Switch et bien entendu PlayStation 4.
1000 euros, premier palier, les 4 autres jokers, bravo à vous. Déjà, vous êtes mieux que le précédent duo. Bon, les pauvres, en même temps, elle était dure la question. C'est pas faux. Je ouais. confirme. Je vois les questions de. Bah, après, Fortnite, c'est pas mon fort, mais bon. Ça, je me renseigne un petit peu quand même sur la. Comment on dit déjà la. L'actualité. Eh bien, nous pouvons directement passer à cette question à 2000 euros. La voici. Quel est l'âge de la petite hawaïenne orpheline ? Oh, faut qu'il apprenne à écrire quand même. Lilo. De Lilo et Switch, bien entendu. Est-ce réponse A, 5 ans ? Réponse B, 6 ans ? Réponse C, 7 ans ? Bien réponse D, 8 ans. Alors, il me semble qu'elle a 6 ans. D'accord, pour vous, vous êtes sûr à combien de pourcents qu'elle a 6 ans ? Pourcentage, c'est compliqué chez moi. C'est pas un gros 80%. 80%? D'accord. Ouais. Sinon, vous hésitez sur quoi dans ce cas-là ? Il me semble qu'elle a 6. Je te fais confiance, Cass. On part là-dessus. Ouais, vas-y. Disons, c'est votre dernier mot. Vous aviez quand même 4 jokers. Ça serait con de partir maintenant. Ouais, mais... Il me semble. C'est loin du possible, d'ailleurs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. On aurait peut-être dû prendre un joker. Quel est l'âge de la petite hawaïenne orpheline Lino ? Ce n'est pas 8 ans. Ce n'est pas non plus 7 ans. 5 et demi. C'est ça. Et ce n'est pas 5 ans. Ça va aller. Tout va bien se passer. Il va mourir à côté de moi, je crois. 2000 euros, bravo. Mais nous passons tout de suite à la question à 4000 euros. Comment se prénomme le frère de Freezer ? Est-ce réponse A, cold ? Réponse B, couleur ? Réponse C, child ? Ou bien réponse D, Freezer ? Alors, le frère de Freezer s'appelle couleur, et c'est mon dernier mot. Bah, direct comme ça, t'es chaud. Moi, j'ai même pas le temps de réagir, c'est pas grave. Non mais même moi, qu'est-ce que tu fais ? J'ai réfléchi ? Mais le risque paye. Oh la vache. Alors quand même pour les téléspectateurs pour les téléspectateurs Cole et son père, Child son ancêtre et Freezer c'est son fils. Bravo à vous, 4000 euros directement, sans réfléchir bien entendu. Mais de toute façon, même celle-là, je l'aurais répondu au tac parce qu'elle est très très simple cette question. D'accord. Voici la question pour 8000 euros. Quel est le 60e long métrage d'animation de Disney qui va sortir le 24 novembre 2021 au cinéma ? Est-ce réponse A, Encanto, la formidable famille Madrigal ? Réponse B, Encanto, la merveilleuse famille Madrigal. Réponse C, Encanto, la superbe famille Madrigal. Ou bien réponse D, Encanto, la fantastique famille Madrigal. Alors, je suis sûr, le film s'appelle Encanto. Oui, bah ça au moins c'est sûr. Hein. Voilà. Formidable. De toute façon, nous,
N'oubliez pas, vous avez quand même vos 4 jokers. Ouais, ouais. Donc la famille s'appelle Madrigal, ça c'est bon, bien sûr. Pour moi, c'est la fantastique famille. Parce que j'ai ma fille qui attend ce dessin animé avec impatience. On est très Disney à la maison. Et pour moi, c'est la fantastique famille. Est-ce que vous êtes sûr ou est-ce que vous voulez utiliser un joker quand même? J'ai l'air sûr. J'ai l'air. Je parle bien. T'as l'air sûr. Donc vous diriez Encanto, la fantastique famille Madrigal, c'est votre dernier mot? C'est son dernier mot. T'as pas le droit de demander à Mila. Non. Ouais, j'ai bien la réponse, c'est ma dernière. Vous aviez l'air quand même sûr, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr? Est-ce que vous auriez dû faire confiance à votre instinct direct? À votre mémoire peut-être, je ne sais pas. Ah, j'ai fait confiance. C'est après que ça va. Je vais galérer sur la question que j'ai. C'est le 60e long métrage d'animation de Disney qui va sortir le 24 novembre 2021. Le bon mot parmi les 4, c'est Encanto, la famille Madrigal. Le bon mot, c'est F-A-N-T-A-S-T-I-Q-U-E. On est riche. Bravo à vous. 8000 euros, vous arrivez à la question à 12000 euros. Et sans plus attendre, la voici. L'alarme qui a résonné, ça veut dire que c'est la fin, malheureusement. Pas trop deg? On va faire avec, on reviendra, c'était sympa. Ouais. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous reviendrez demain pour tenter de remporter votre 1 000 000 d'euros, sachant que vous avez encore vos 4 jokers, bravo à vous. C'est quand même assez incroyable. Et ben, écoutez, c'est mes chers téléspectateurs où nous allons nous quitter là, bien entendu. J'espère que vous avez aimé cet épisode et puis on se retrouve demain pour la suite de cet événement. Allez, c'était Jean-Pierre Thirux, à bientôt.